j'ai le plaisir de voir une cave pleine. Jean-Pierre Servet et le patron Daniel. Voilà le nom de ça. Vous l'avez déjà croisé à l'entrée, notre trésorier et guitariste et violoniste aussi, Jean-Claude. À la basse ce soir, Fabien. Ce nouveau plus gros, Alessandro. Voilà. Donc, c'est Guy qui va présenter le New Orleans Jazz Club
groupe historique, la plus ancienne formation issue du jazz club. Si vous voulez tout savoir sur le jazz club, son histoire de New Orleans, le jazz club et plein d'autres groupes et plein d'autres gens, il y a un super livre sur l'histoire du cadre disponible donc au bar. Je vous conseille un exemplaire qu'on peut consulter. C'est vraiment un livre exceptionnel. Voilà. Oui, mais bon, c'est pas une semaine gratuite. Très... vous l'achetez et puis ben voilà. Vous n'avez pas envie de vous faire rembourser. Voilà. Bon, qui tu oui. présentes Je présente quoi ben, des musiciens. Voilà. Ah ouais, mais pour les présenter, il faut que vous soyez plus loin. Bon, bah, c'est la mécanique. Hein. À la télé, il n'y a jamais, on ne voit jamais des techniciens partir avec les publics, etc. Pourtant, ça se fait aussi. Le problème, c'est que les shows de Noël, ils sont enregistrés en général fin août. Donc, évidemment, quand ils comptent jusque 12 pour Noël, bah, c'est août pour le Nouvel An, c'est raté, ça a été fait 3 ou 4 mois. Mais là, ici, c'est en vrai, c'est avec des vrais morceaux de musiciens dedans. Alors, le New Orleans Jazz Club, il s'appelait comme ça un peu par hasard. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, quelqu'un méchamment m'a dit là-haut, oui, mais plus le temps, c'est toujours les mêmes. Bah, il y a eu des petits changements quand même, hein, il y a eu des petits changements. Des petits jeunes qui sont arrivés, des plus anciens qui sont partis sur la pointe des pieds, puis d'autres qui sont bien très bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, vous êtes prêts, les gars? Et les filles, parce qu'il y a des filles aussi. Ils ont besoin de leur chaise. Parce qu'ils jouent ici. Et si ça se trouve, ils vont s'habiller en noir parce que ça a un signe. Bon. Je pense que tu vas présenter tout le monde toi-même, Michel. Tu sais faire. C'est Henri, je pense, maintenant. Donc on salue le vétéran qui peine à s'asseoir à la batterie. Henri. Mais dans l'histoire du jazz, bizarrement, ceux qui vivent, enfin, comment dire, qui sévissent le plus longtemps, à un âge le plus avancé, c'est souvent les batteurs. Mais il y a un grand batteur qui s'appelle, ça y est, chaque fois que je vais dire un nom en public, c'est une catastrophe. Bref, un grand batteur américain qui m'a dit que la batterie c'était un instrument orthopédique. Ce qui fait que ça conserve. Comme j'ai peur de me tromper sur les autres prénoms, je vais te laisser faire, Michel. T'as pas un micro ? Merci d'être là, c'est trop sympa. Parce qu'on met le mot jazz sur n'importe quel produit, hein, sur des mauvaises conserves, sur les. Là, vous allez écouter du jazz dans le son et la performance qu'on essaye de réaliser. C'est ça. Je suis fait
entière, ici, tout ça inclut les gardes. C'était là que départ qui a eu lieu cette grande aventure du New Orleans Revival à Saint-Germain-des-Prés. Les deux noms que vous n'avez pas écoutés et qui méritent d'être tenus pour leur talent, c'est Henri Renard qui a la batterie. Henri Renard a un problème technique. La batterie. Et à la contrebasse, vous avez apprécié Anne Besson. Alors, avant qu'on fasse des questions, qu'il y ait quelqu'un de s'asseoir, une formation de jazz en deux parties. Il y a la rythmique et les solistes. Alors, la rythmique, c'est ceux qui sont assis. Et les solistes, c'est ceux qui sont... Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est une première approche de ce que C'est comme dans l'aviation, il y a les rampants et les volants, c'est ça ? Voilà. Mais c'est pas comme à la mairie, parce qu'à la mairie, ils sont tous assis. C'est la Marseillaise du jazz, ça. Bourbon Street Parade. On vous rappelle que vous êtes sur une soirée de la Nouvelle-Orléans, alors vous allez avoir des morceaux de la Nouvelle-Orléans. J'espère que ça vous plaira. Ouais, c'est très compliqué de repartir. Thank you.
varie dans le répertoire de jazz traditionnel. Tant vous profitez ce soir, et c'est une excellente thérapie. Ça vaut tous les calmants de la terre. Des thèmes typiques, voilà, des thèmes qui nous font un petit peu planer. Parfum des îles, messieurs de la République, à vous, exprimez-vous pleinement. Voilà. C'est à vous. Ceux qui sont assis.
Avec votre lumière, on voit rien. Ah, mais je vais en rajouter un peu après. T'en veux maintenant ? Il peut y en avoir de la lumière. Eh ben, si tu veux. Ah, ben, c'est ça, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'âge, hein. C'est l'âge, ça nous a. Thank you.
que Régis Guillaume était là. Vous avez écouté l'authentique arrangement de l'Estrême. Alors, on ne le sait pas par cœur, parce que c'est une extrême difficulté que les autres arrivent à jouer. Mais vous savez, l'information, elle peut s'inviter chez vous. Donc si on joue plus souvent, chez vous, par exemple, on va se faire par cœur et on n'a pas besoin de s'embarrasser de l'équipe et de l'arrangement. Non, non, mais on fait ça la journée, l'après-midi. On espère parce que nous en ferons. Oui, oui, mais voilà. Bon, vous avez écouté, et c'est une chance. West End. Dans une mission aujourd'hui, c'est parti. Thank you.
Alléluia. Peut-être qu'on s'arrange, qu'on sache à ce que je dirais à tout le monde.